ville, il y a une vieille maison. Au premier étage de cette maison, un grand balcon. Et sur ce balcon, trois vieilles sœurs. Ces trois sœurs ont toujours vécu ensemble dans cette maison et elles passent leur temps sur leur balcon à regarder passer les gens. Quand un matin, la plus jeune, la Benjamine, celle de 99 ans, a vu arriver du bout de la rue le prince de la ville à cheval. Alors elle n'a pas hésité. Elle s'est précipitée à l'intérieur, a attrapé un mouchoir, l'a aspergé de parfum, et elle a jeté le mouchoir du haut du balcon. Le mouchoir a dansé dans l'air, et il est venu se poser sur l'épaule du prince. Il sentait divinement bon. Le prince a levé les yeux, il a vu la maison, il a frappé à la porte. Ce sont les deux sœurs aînées qui sont descendues lui ouvrir. Mesdames, voilà, j'ai trouvé ce mouchoir. J'imagine qu'il appartient à une jeune fille qui habite ici. Les deux vieilles se sont regardées. Bien entendu, prince, bien entendu, il y a bien une jeune fille qui habite cette maison. C'est formidable, dit le prince. Est-ce que je pourrais la voir pour lui rendre son mouchoir ? Eh bien non, prince, dans notre famille, on ne montre nos jeunes filles qu'après le mariage. Après le mariage, le prince était déçu. Il a demandé s'il pouvait garder le mouchoir. Les deux vieilles ont accepté. Alors il a repris son cheval et il est rentré au palais. Et ce qu'il a dans son lit, il n'a pas fermé l'œil. Toute la nuit, il s'est tourné, retourné le mouchoir contre son.